Le championnat de France, c'est Eric Sauter qui prête à la 7e position sur la Renault Clio Ragnotti. Allez, on continue côté chrono. C'est parti, je suis 11 minutes, donc toujours pareil, 2,55-564, il est largement devant, avec une avance sur Julien Ponty, qui pour l'instant est de l'ordre de 17 secondes. Et attention, au retour de Sam Durassier, qui a signé un encouragement pour 0,0089, alors que. Tout à l'heure, on en parlait donc avec un petit peu d'humour, le temps de faire loucher les verres. Mais maintenant, c'est le temps, comme disait Iti Maison, c'est le temps de Iti manger. Donc, si vous voulez manger, je vous rappelle également que vous avez bien sûr dans les buvettes à votre disposition les sandwichs, mais vous avez aussi donc le restaurant, donc des portes du Sancy. Donc, c'est dans la grande salle qui est au pied de ce grand bâtiment, donc dans la salle du paddock, quand vous remontez de la ligne de départ. Donc, mon restaurant, c'est ouvert, profitez-en. Je ne sais pas exactement les prix, enfin, ça doit être du raisonnable. Et donc, le préparateur, donc, le traiteur, c'est l'Auvergnat, ça ne s'invente pas. Et puis, tu parlais tout de suite de Guillaume Mouche, simplement. Guillaume Mouche a gagné le groupe la semaine dernière, dans une belle course de côte, qui s'appelle le Petit Mont d'Or, qui s'appelle la course de côte de la Tarbes, et c'est dans la Creuse. Ah, ça tombe bien avec la Bédie, la Creuse. Ça fait l'actualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, entre.